Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec la Ligue Celtique et notamment avec Damned et Tiberians, toujours en multi. Bonsoir les gars. Salut. Bonsoir. Et on se retrouve donc pour la guerre, puisque ça y est, vous êtes prêts, on va pouvoir se lancer, oui. On est d'accord? Ou alors ça va péter de nouveau partout? Je crois. Non, bah c'est bon. C'est ouais, bon. Moi je voulais juste faire une petite revendication, mais il y en a pour 2 mois maximum, quoi. Bah qui a un casus belli déjà sur ce compte d'Hollandais là? Moi j'ai des casus belli sur le compte d'Irlandais, mais il faut que je regarde... De Hollandais. Pas d'Irlandais, c'est moi l'Irlandais. Non, moi j'en ai pas un seul. Enfin, faut que je regarde précisément. Pour une seule revendication en tout cas. Après c'est colonie. Mbamba, moi je la Côte d'Ivoire. Oui c'est ça, c'est la colonie Bamba en Afrique. Ouais mais ça me suffit. Hein. Ah mais moi ça serait cool que vous me la laissiez, comme ça je pourrais joindre mon pays, mais bon après... Ah bah moi je m'en fous perso. Mais... Oui mais si tu la veux, on te la file. Moi l'important c'est de défoncer la Hollande et puis de lui faire cracher tout ce qui est là quoi. Parce que moi il s'est posé en Colombie, il s'est posé entre mes deux trucs là, ça fait un peu chier le monde quoi. Tiens, j'ai un soulevement. Ouais, bah écoute, moi je vais être prêt pour cette guerre. Les troupes sont à Caen. Moi attendez juste un poil, voilà, impeccable, moi ça y est c'est bon. Il faut qu'on mette nos bateaux ensemble. Bah, je vais financer l'armée. On regroupe les bateaux et tout. Hein. Parce que ça va piquer un peu quand même. Attends, moi j'ai quoi? J'ai 70 bateaux de commerce, tu crois que je peux pas les laisser en vadrouille? Parce que je suis obligé de les arrêter là, quoi. Là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, très très bien. Revenez, 70 bateaux quoi. Et à la limite, est-ce que je peux pas mettre ma flotte principale en... Bah disons qu'il faut la foutre pour protéger les côtes et puis qu'on débarque quoi, une fois qu'on sera débarqué, franchement. Oui. C'est marrant, on peut pas pourchasser les flottes ennemies. Bah oui, voilà, c'est bien ça. Une petite répression implacable, les gens là. Allez, vous faire je sais pas comment voir. Ça marche, je l'ai jamais fait ça. De quoi? Bah leur demander de surveiller je croyais que t'allais dire la répression implacable. Si, ça. Je me disais. Ouais, non, étonnant, quand même. Non, là, non. On arrête l'entraînement, les gens? Voilà, merci. Non, ça, c'est j'ai bon. Pas mal de points à craquer, on va essayer d'améliorer le territoire aussi là. Hop là. Parce que c'est quand même pas bien glorieux. Le Bordelais, on pourrait pas. Ah oui, la Banque Bordelais. Nationale confrontée à des difficultés perd de 1450 ducats, là ça pique un peu quand même. J'avoue. Je peux l'assumer, hein, mais. Je vais l'assumer d'ailleurs, mais. Là ça fait chier quand même. Eh bien assume. Oui, j'ai pas le choix. Bon, est-ce qu'on se lance? C'est quand vous voulez. Oui, pourquoi pas. Donc c'est à moi de faire la déclaration de guerre du coup? Bah moi j'ai pas de casus belli dessus, je ne crois alors, pas. Alors, déclaration de guerre, alors des casus belli j'en ai plein, j'ai colonialisme, prendre Mbamba là, j'ai conquête de la Côte d'Ivoire plutôt. J'ai aussi colonialisme sur la Côte d'Ivoire du coup, donc... Bohème, Münster, Flandre, Passaille, toujours. Brême ne vient pas. Ah bon? Brême ne vient pas, moi non plus. Mais si jamais... L'Autriche si jamais... ne vient pas, l'Espagne a 7000 de dettes et donc ne vient pas. Putain. Ah putain, ça fait mal, hein. Wow. Alors attends, parce que moi j'ai un truc qui est tout con, qui est juste à côté de chez moi pour avoir... Ah ouais, mais attendez, il y a quand même la Suède qui va venir. Hein. La Suède Ouais, la Suède, ouais, Bohème compte comme allié, la Suède, Augsbourg, Cologne, Salzbourg, État Pontifico. Oui, il y a plein de gens qui viennent. Bah, la Suède, on s'en fout. Bah, la Suède, c'est gros, mais c'est vide. Défendons-nous. Allez, moi je déclare la guerre, je vous appelle tous les deux. C'est parti. Allons-y. C'est la guerre, chers amis. C'est parti. Ah, oh, bah tiens, je chope des bateaux direct, moi. Ouf, allez hop. Est-ce qu'on peut passer? On peut pas passer. On peut carrément passer, c'est beau. En avant, les gars. Je vais aller me poser le cul directement. À la haie. On est en guerre contre quoi? Contre tout ça? Okay. Bah contre plein de trucs a priori. Ouais, c'était pour savoir où j'allais me poser. Mais... Pas tant que ça finalement. Ah on est en guerre contre la Flandre. Il y a pas mal de gens qui sont pas venus du coup on dirait. Ah ouais, mais il y a plein de gens qui sont pas venus, la Suède est pas venue. Mettons vitesse 2 peut-être. Parce que ça peut quand même fighter un peu là. Ouais, y a moyen. Oublie pas tes 30 000 hommes en Écosse que tu peux complètement envoyer. Oui, non, mais je pouvais pas parce qu'il y avait une bataille navale en cours. Oh. N'est-ce pas? Ah oh. Dispute frontalière? Venez là, vous.
On va direct faire tomber la Flandre, ce sera fait. Elle est dans la guerre, la Flandre. Ah bah oui. Bretagne occupe la Zeeland. Mais oui. Pourquoi je m'y suis pas arrêté justement en Flandre? Bah je ne sais pas. Bah j'ai pas vu qu'elle était dans la guerre. Elle a dû rejoindre après que je sois passé. Sans doute, ouais. Allez, on va essayer. Wow, il y a 54 000 hommes, attention, hein, qui arrivent. Wow. N'hésitez pas à mettre pause parce que je suis pas forcément dans le coin. Hein. Ouais, alors. Je pense qu'il faut qu'on agisse ici, mon très cher ami breton. Oui, tout à fait, parce qu'en plus j'ai. Il nous vient droit dans la gueule, j'ai l'impression. Il va à Artwen, je sais pas, c'est où. Il va à Bruxelles, non? Artwen. Antwerpen. Antwerpen. Ah oui, non, mais vous parlez de l'autre côté du. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, donc vous. On va à Antwerpen. Ouais, moi je vais à Antwerpen. Ok, très bien. Ça va saigner là. Ah ouais, ça va piquer, mais on y va tous. Il y va plus. Il s'est arrêté. On va à Bruxelles. Ah, mais attention, parce que Bruxelles, on est loin. Hein. Non, ah bah il change. Arrêté. Change. Il se replie. Espèce de bâtard. Il a choisi la fuite. Plutôt que le déshonneur. Attention, bataille navale là. Bataille navale, la Nouvelle Irlande. La Nouvelle Irlande qui attaque la Flandre. Qui perpétue donc la tradition de perdre sa flotte de l'Irlande. C'est tellement tradition ça. Habituelle. Je vais aller me poser au Munster. Avec mes 40 000 hommes. Ah non, attention! Ah, il y a les 50 000 hommes qui reviennent en renfort là. Où est-il? Il fait le tour. Il va à Eno. Qu'est-ce qui se passe? Il va peut-être essayer de sauter sur mes 3 000 hommes. Je vais essayer de les bouger pour voir. Je ramène des renforts. J'arrive. Il faut absolument qu'on le chope hein, parce qu'il va nous emmerder sinon. Ouais. J'arrive au Eno. Enfin, dans les Flandres là plutôt. Ah, il va. En avant. Il va y avoir un fight. Il va où là? On est. Je comprends pas où c'est moi. Le fight à Bohème, entre Bohème et Bretagne. Ouais, il est dans les Flandres. Il est à Ghent. Ouais. Moi je suis quasiment là de toute façon. J'envoie des renforts. Voilà, ouais, c'est sûr que ça ait lieu en plus. Hein. Ouais, c'est la mort pour lui là. Là, je l'ai chopé. Ah putain, ce que je lui ai mis. Oh la vache. Alors... On croirait la France quoi. Alors? On dirait l'Irlande en train d'abattre la France. Ou la France en train d'abattre l'Irlande, je ne sais pas. Depuis qu'on a posé le bonnet? Ah ouais, non mais j'avoue, hein, le bonnet ça fait tout. Hein. Enfin, je dis ça, mais j'ai perdu 10 000 hommes hein, dans le bordel quand même. Hein. Ah bah ça valait le coup pour le plaisir. Gaffe, il y a encore 30 000 mecs en dessous là. Je vais nettoyer les conneries qui sont chez toi là. Tu te fais siéger ta capitale accessoirement? Non, si la siège l'Anjou, n'abusons pas. C'est pas ma capitale. Ah bon, je sais pas, j'y connais rien en géographie bretonne. Perte de 1, on s'est c'est cadeau. Non mais y'a bientôt la Flandre qui va tomber là. D'ailleurs faut complètement que j'envoie mon mec avec d'autres sièges s'en occuper. Voilà, 85% y'a peut-être moyen. Allez. Je vais donc éclater du soldat des Flandres là. Du Flandrais. Du Flandrois peut-être, je ne sais Flandrois. Pas. Ouais, du Flandrois ou du flanc gauche? Les deux. On va pouvoir leur faire cracher des trucs, tu sais, des trucs du style détournement du commerce. Oula, c'est qui m'arrive dessus là? Ah putain. Des bohémiens qui m'ont chopé. Mais encore une fois, c'était sans compter la puissance des armées irlandaises. Complètement bourré du soir au matin, ne craignant pas les balles. C'est tellement ça. Il ne tombe qu'à partir de la 8ème sur le corps, donc ça va. C'est ça. Bon alors par contre, ça pique un peu au niveau des effectifs quand même. Cela dit, ils ont pris cher. Les bateaux, ils rentrent. Entrepreneurs privés. Ah la branlée qu'on leur a mis. Par contre, il y a les forces papales au sud, là. Les forces papales. Ah mais oui, mais bon bah on va aller s'en occuper. J'étais en train de partir assiéger la Bohème, mais je vais aller m'occuper de mon pays. C'est qui, c'est quoi? Ah, c'est le Munster. Il y a des gens qui vont bientôt être mûrs pour quitter la guerre. La Flandre est à genoux. Hein. Je te file le siège écossais si tu le veux. Ouais, merci. Ah, parce que vous croyez que vous allez avoir des... Genre récupérer des provinces et tout? Mais non, mais on te connaît. Vous avez... Non, c'était pas le but de la guerre. Hein. Pardon, alors j'ai trop de points militaires. Oh le mec, il y a trop de points militaires quoi.
Je pense que je vais commencer à développer la Papouasie. Putain, on a rattrapé notre retard en admin, quoi. C'est la fête, c'est quoi ça? Ah, mais on peut prendre une réforme gouvernementale, j'avais même pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? États généraux, non. Assemblée des ordres. Ouais, on va complètement prendre les ordres. Reprenons. On est complètement... on va favoriser les premiers de cordée, nous. Ah. Oh, il y a 40 000 bohémiens, là. J'attends de retrouver mes effectifs un peu, quand même. Non, mais je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Pourquoi on fait si mal? On a 116 de discipline, c'est pas énorme. 116 de discipline, c'est pas mal, mais c'est pas non plus complètement ouf, non? Non, mais on a peut-être une avance en tech, hein, je peux faire attention. Offre de près des Flandres, non. Mais c'est notre ennemi, les Flandres, en plus. Oui, mais il veut faire la paix. Ah, de paix, j'avais entendu de près, excuse-moi. Non, de paix. Ouais, bah j'écrase aussi la Bohème, hein, y a pas de débat. Hein. Wow. C'est un petit stack wipe de 40 000 bohémiens. C'est pathétique. Pathétique, les bohémiens. Ouais, j'avoue, comme empereur, ça se pose là, quoi. Allez, on va essayer si de on avait su, on aurait déclaré la guerre plus tôt. Ah bah, carrément, ouais. On va essayer d'aller choper les gens qui traînent là-bas, là. Et si on allait se poser sur Rome? Je suis sûr qu'il y a des trucs à piller à Rome. Allez. Tu veux des trucs en particulier par rapport aux Flandres, en fait? Bon, éventuellement les deux territoires des Flandres et tout, après... Ah oui, genre on élimine les Flandres, quoi. Ouais, si c'est possible. Écoute, écoute, je vais demander. À mon avis... Non, ça représente plus de 100% du score de guerre, je peux te filer... Et ben... Et puis autant de... Alors attends, je vais regarder vite fait parce que là les Flandres elles sont au bout du rouleau mais... On guerre contre si eux... Ouais. Je vais te filer une province à 26. 26, putain. Ouais. Ah donc l'expansion agressive dans le Saint-Empire, ça va... comment Ça va grimper quoi. Ça va grimper, mais je te la file quand même hein. Mais ça va grimper ouais. Sérieusement quoi. On verra. J'adore, il y a des états pontificaux qui se baladent en Afrique quoi. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Ou file-moi Vlanderen hein, au pire. Hein. Comme ça, c'est collé à Calais. Mais je peux. Ah, tu préfères l'autre? Bah, ça m'évite d'avoir un pont entre les deux, quoi. Mais après. Bah, c'est en fait le souci. C'est la capitale et que c'est pire. Ah, bon, bah, file-moi Ghent, on verra plus tard pour le reste. Ah, ouais, j'avoue, elles sont costauds de ces provinces, hein, putain. Je l'aurais bien vassalisé, mais à mon avis, il voudra pas. Ok, donc réparation de guerre, transfert de puissance commerciale et tu prends une province, voilà. En vous remerciant. Hop là. Merde, j'ai vu une pop-up mais les troupes ennemies s'enfuyaient donc tout va bien. Ok, je vais remonter au nord là parce que les, par contre les Écossais je les sens pas sereins, ils sont un peu tout seuls j'ai l'impression. Vous avez pas l'impression qu'ils sont genre un peu tout seuls les Écossais là? Si. Mais ça va bien se passer. Je vais faire tomber Osbourg. je crois que ça va aller. Alors, il nous faudrait une tech. J'ai dû perdre 2000 hommes dans l'histoire que j'avais quelque part et que je retrouve plus, mais bon. Les bohémiens sont là. On va aller leur expliquer encore une fois la vie. Ouais. Le siège de Côte d'Ivoire, donc les provinces de Côte d'Ivoire vont tomber également. Mais j'avoue que je sais pas si je vais continuer le siège à Cologne en fait, hein. Non, je vais probablement me replier parce que ça devient risqué. Je suis en train d'arriver. Hein. Ouais, mais lui aussi. Ah. Bon, je pense que là, ça va être une grosse baston. Oh oui, allez hop, on y va. Vous en tirez parce que je suis en train de regarder d'autres trucs. Mais... Ouais, ça. Oh là 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 là. Ah, merde, putain, ça... tu prends tellement cher. Ouais, très... non. Ouais, non, là. Ah, je l'ai vu que ça arrivait. Hein. Ouais, ça arrive encore. Hein. Ouf. Ouais, faut back. Repliez-vous, je vais faire tomber Osbourg. Je te cache là, pas mais... qu'il risque d'avoir des frais du coup. Ouais, ça va calmer là. On va le mettre là lui. Ouais, mais il y a des gens, il faut les sortir de la guerre, hein. C'est pas possible autrement quoi. Comment ça? Il y a Bohème là qui a foutu la merde, Cologne aussi.
T'es où, cher ami? J'essaie de sortir Osbourg. Voilà, le siège de Osbourg est tombé. Ouais, il esquive, hein. Fais vite ce con, putain. T'aurais dû attendre qui est le cadenas. Et là, c'était foutu. Ah, mais je sais pas... En fait, je sais pas combien ils sont. Tu vois, le délire, faut faire attention quand même. Ah bah oui, c'est sûr. Bon, je pense que Osbourg devrait être ok pour se tirer. Pause. Osbourg. Ah oui. Pourquoi je vois Osbourg, fort, hein. Bah Osbourg, il en peut plus. J'en fais quoi de Osbourg, moi? Bah écoute, prends son blé et puis ça ira bien, je pense. Ouais. Ouais, y a pas grand chose d'autre. Ah, je sais pas quelle doctrine prendre. Il me faudrait une doctrine diplomatique, mais. Voilà. Je sais pas laquelle prendre. Y'a plus de Osbourg. Bon, je vais prendre deux secondes, je suis désolé, mais j'ai beaucoup trop de points. Il faut absolument que je prenne une doctrine pour les dépenser. Commercial, je sais pas quoi foutre de mes marchands. Diplomatique, je sais pas quoi foutre de mes diplomates. Ça fait un peu chier. Ah oui, mais je me disais, même moins les états pontificaux, mais oui, on est en guerre contre eux, c'est vrai. Ah oui, ça joue. Ah bah oui, complètement. Là. Ceci explique cela. Très bien. Ouais. Je peux proclamer le statut des appels et tout, là. Ouais, très bien. Ouais, on va partir sur les doctrines d'espionnage, tiens, je les prends pas souvent, et puis c'est un peu dans le thème. Hop. Et hop. Voilà, c'est cadeau. Comme ça, on est à peu près revenu. Ok. J'envoie un mec à Cologne pour aider au bordel. J'enlève la pause. Hein. Ouais, excuse-moi, je cliquais justement pour l'enlever. J'attends que mes troupes remontent un petit peu. Du coup, j'envoie des gens aider. Hein. Vas-y. Cologne débarque en Espagne, apparemment. Ouais, en Espagne. Je vais pas lancer un coup de canonnade là-dedans, là, que ça dure pas 15 ans. Voilà, hop, il y a plus de mur. Bon, je vais essayer de poursuivre les troupes qui s'enfuient, là. Ah, mais c'est qu'ils sont en train de me... Comment ? De m'assiéger ce qui se trouve en... au Grand Nord. Ah bah moi, c'est pareil, hein, le Danemark, ils me l'ont complètement pris. Bon, merde. Et d'ailleurs, il y a 40 000, un peu plus de 40 000 troupes, là-bas. Et la Bohème se tire en Espagne, je sais pas ce qu'ils foutent. Et ils ont 27 000 hommes au Danemark. Je me demande s'ils sont pas partis essayer de s'occuper des colonies africaines, là. Il y a un gros paquet de... Il y a 30 000 Écossais qui restent en Afrique, je pense qu'ils vont gérer. Ouais, bah, ça dépend, hein. Là, il y a au moins 60 000 hommes qui viennent de se barrer en Espagne, là. Non. Ah bah si, là, il y a 35 000 bohémiens... Non, 30 000 bohémiens avec ceux qui se sont tirés tout à l'heure, plus 20 000 coloniers. Je rigole s'ils descendent jusqu'à là, quand même. Mais ils vont le faire, hein. Ah, il y a moyen. Ok, bah de toute façon, le temps qu'ils descendent, on aura pris leur pays, donc ça va être vite vu. Hein. Ouais, parce que du coup, je vais faire demi-tour, hein, ils sont gentils, mais je vais pas les poursuivre, puisque je sais pas où. Non, je repasse en vitesse 3, du coup, parce qu'on s'ennuie. Hop. Tu m'étonnes. Allez, je vais me poser sur Munster. Hein. On va commencer à prendre quelques sièges. Succession contestée au Brandebourg, on s'en fout totalement. La succession au Brandebourg, on s'en fout effectivement totalement. On taxe le thé. Non, on taxe pas le thé. Je sais pas si je vais pouvoir prendre des provinces en Hollande, moi. J'ai pas l'impression. Bah attends, je peux t'en donner si tu veux. Là, des provinces. Je vais voir si je peux les vassaliser. Vassaliser la Hollande. Ouais. Serait classe. Je veux bien que tu me files juste le bout de... Côte d'Ivoire, ce serait vachement sympa. Ouais. Putain, comment c'est tombé vite le siège du Munster, quoi. C'est la tristesse pour eux. C'est quoi? Hop. Ah, il y a encore 30 000 bohémiens en haut, là, qui est très court. Très bien. Et 10 000 états pontificaux. Ouais, je t'ai dit qu'il y avait 40 000 troupes au Danemark. Ils sont un peu casse-bon. Pourquoi il y a la Toscane qui est au Danemark aussi? Je sais pas ce qu'elle fout là. C'est très étonnant.
Bon, je pense que le Munster va vouloir lâcher l'affaire là. Parce qu'on va passer à Hanovre. La Bourgogne qui fait, sème la discorde toujours là, il fait chier lui aussi. Je pense que le Munster est au bout du rouleau là, effectivement. Ouais, je pense que tu peux pouvoir les dégager. Alors, Munster, je te demande de la paix. Ah, mais on n'est pas en guerre contre ça. Je te demande plein de trucs, hein. Gave-toi. Je me gave. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Il reste qui dans l'histoire ? La Cologne. Autriche se prépare à attaquer Venise. Putain, il va peut-être nous... Alors, fin du siège de Cologne. Donc, je pense que Cologne, ça va être pareil. Hein. Cologne. Très bien. Ça, on est terminé de Cologne. Salzbourg, c'est où, ça ? C'est tout en bas, Salzbourg. Après, il va falloir passer à... Mais il va falloir s'occuper de Rome et de la Bohème. C'est ça, quoi. Waouh, la vache ! Pause. Ils sont en train d'arriver... Ça y est ? Ils sont en train d'arriver au sud. Mais au grand sud. Ah ouais, putain. Bah, j'avais dit, hein, y a du monde hein, qui y allait, quand même. Il faudrait que tu ramènes tes troupes, genre, vite. Ouais, mais genre, c'est mort, c'est pas la peine. Il y en a 20 000 sur ton chemin. T'es encerclé, là, en fait. Même à 35, 45 contre 60, passera pas. Ah mais ils vont chercher l'objectif de guerre, ça fait chier. Enfin c'est pas ça l'objectif de guerre, hein, c'est le petit truc qui est à côté de chez moi tout en bas, mais quand même, il va falloir faire terminer cette guerre plus rapidement que j'avais prévu. J'allais me poser sur la Bohème. C'est pour ça que je serais bien resté plutôt derrière mon... Alors toujours est-il qu'on va faire une paix avec... Cologne. Cologne, ça va enlever du monde déjà. Déjà. Et puis après tu vas reculer avec moi et puis on va se foutre derrière mon... Cologne. Elle est où la capitale de ces comtes bohémiens là? Merci, au revoir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, on va assiéger la capitale de la Bohème, ça devrait les détendre. Ouais, moi je vais directement à Rome. Ah, il commence à y avoir du monde là. Attends. Détends-toi avec la vitesse 3 là, c'est n'importe quoi là. C'est complètement le bordel par chez moi là. Qu'est-ce qui se passe en Bohème? Il me saute dessus à 7000 hommes. Ça sent l'arnaque. On va aller aider peut-être. Mais pourquoi tu viens pas avec les 30 000 hommes en bas écossais? Je préfère qu'on bloque au mais niveau ils, du... Ils sont 40 000. Ah oui, c'est vrai que t'en as sorti 10 000. J'en ai viré un paquet. Si tu veux. Bah oui, je veux. Et puis c'est la Bohème, hein. Vous avez écrasé à 20 000 contre 40 000. Ouais, tout à l'heure c'était 60 000 avant qu'il y ait une négociation de la paix quand même. Avant, ils étaient plus, mais c'est plus le cas. Maintenant, voilà. Ah ouais, bah écoute, j'arrive. Ça n'est plus personne. C'est bon, je repasse en play. Ouais, sauf que c'est Tiberians. Ouais. C'est moi qui en pose. Hop. Alors, je sais pas bien ce qu'il fait, donc on va le choper, là, c'est 7000 hommes. Je vais venir en marche forcée, ce sera mieux. Hop. Ok, non, c'était pas un piège, il avait vraiment que 7000 hommes, hein, très bien. Ah, fais gaffe, parce que je crois qu'il débarque quand même sur toi. Ouais. Par toi, j'arriverai pas avant. On va choper ces 1000 PM. La fuite à l'irlandaise. Magnifique. Tout le monde dans les bateaux, les gars. Bien joué. Bon bah vas-y, on l'attend au Cameroun. Hein. Ouais, bah moi j'attends là, je... Au Cameroun. Bah je sais pas, j'attends qu'il se ramène. Hein. Non, remonte à Côte d'Or. Enfin, je vais débarquer près... En fait, je vais débarquer chez toi. Très bien. Je m'accroche à toi, je te laisse faire le fight. Ok ? Ouais. Parce que du coup, faut... Ah, ça y est, voilà, il se barre. Non, mais reviens. Non, mais c'est eux qui se barrent. Mais j'arrive, je continue, mais c'est eux qui se barrent, du coup. Ils se barrent. Bah oui, regarde. Ils risquent de revenir. Ils sont très jolis skins aussi, le bohémien, en passant. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Va permettre aux alliés de s'attacher, bah vas-y, attache-toi. Merde ! Attends. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a 10 000... Ah ouais, j'avoue, il est sympa. Il y a 10 000 nobles qui se sont rebellés chez moi. Ah merde. M'attacher aux alliés, c'est quoi? Attacher. Vas-y, normalement tu peux tout contrôler. C'est parti. Il faut que je vienne chercher des troupes. Putain, ils m'emmerdent ces nobles. Qu'est-ce qu'il fait? Ouah, putain, il y a 34 000 bohémiens là. Les nobles s'inquiètent. Mais non, mais inquiétez-vous pas les gars. Putain, l'enfoiré. Élection à la tête du pays. Pause. Pause. Alors, un monarchiste en 061. Ou alors... Il y a toujours un zéro, de toute façon. Un républicain à 5-2-5. Ah non, ah oui, non. Eh bien, mec.
On passe en marche forcée et on les attend. Bah je vais prendre le 061. Bah ouais. Parce que du coup ce qu'il me faut... T'es en retard Ouais, je suis plutôt en retard. Ah oui. Putain, ça va être tendu. Donc je prends le monarque. Pardon, mais moi j'ai du mal à gérer entre l'Afrique et l'Europe là. Ça passe. Allez, écrasez-moi ces bohémiens. Ça passe easy. Merde, c'est une crapule. Plus 5 de corruption annuelle. C'est normal, c'est un homme politique. C'est un monarque. On s'en fout. C'est l'heure de la fin de l'épisode, messieurs. Ah. Fais gaffe, tu vas plus vite que moi quand t'as mis la marche forcée. Ouais, je pensais que ça l'appliquait pour toi aussi. On est désynchro et tout. je l'ai enlevé. Ok. Est-ce que vous voulez terminer ça ou... Non, vas-y, on finit l'épisode, on finira après. La prochaine fois. Ok, très bien. Bah, moi, je viens de mettre une petite fessée aussi au bohémien en haut, là, donc... Je pense qu'il va commencer doucement à lâcher. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un petit peu d'action comme promis, ça se passe plutôt bien. On commence à sentir la partie où on peut se permettre de faire des erreurs, ça gêne moins. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, aller voir l'aperçu sur la chaîne de Tiberians pour voir des combats différents. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Salut.